Hey, salut tout le monde, c'est Didier Newalker, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu voir, je suis pas seul, je suis avec Rainer. Donc voilà, aujourd'hui on est le dimanche 28 juin et du coup, j'ai peux enfin vous dire, c'est le retour donc du vide-grenier. Donc voilà, du coup David, ça faisait un petit moment qu'il voulait en faire un avec moi. Donc bah là, aujourd'hui c'est l'occasion. Puis voilà, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, David, il est comment dire. Voilà, vous le connaissez sur ma chaîne, et on a déjà fait des vidéos ensemble. On a fait la Pixel Day, on a fait la PGW. Et du coup, voilà, on complète avec un petit vide-grenier aujourd'hui. Donc bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous laisse avec les images. À toutes les amis. Bonne nuit. Je suis pas fan. Ah, excusez-moi. Ouais, je crois. Ouais. Il vous dit directement si vous l'avez ou pas, c'est ça? Hein? C'est l'application qui vous dit directement si vous l'avez? Non, du tout, ça, en fait, je suis en train de filmer. Je fais des vidéos, donc... Vidéo de brocante? C'est ça, tout à fait. Sérieux? Ouais, c'est vrai. Fais tous les dimanches des brocantes? J'essaye quand je peux, ouais. Oh, bah, j'ai pensé à le faire, vous savez. Est-ce que vous en faites plus que moi? J'en fais 3 par jour. Non, honnêtement, non. Je sais vraiment, quand il y en a près de chez moi, je les fais, sinon... Ah ouais? Non, on n'aura pas pu l'ouvrir, je pense. Essayez. Voilà. J'espère que vous ne vous rappelez plus du code. Vous ne vous rappelez plus du code. Thank you.
la 5 ce soir. Oui, oui. Ouais, par la voiture au CNU. Ouais, c'est juste de la poussière. Hein. Ouais, c'est de la poussière. Ouais, ouais. Bon, la boîte, elle a... La boîte, elle a un petit peu morflé, mais... Ouais. À voir. De cet côté. Ça va ? Merci, hein. Ça marche. Essaye de trouver une place. Yannis, il est là, Yannis. Ah ouais. Il a cassé sa voiture, elle devant toi. Ouais, juste un peu. Demi-demi, quoi. Essaye de trouver une place, lui-même. Oh. Essaye de trouver une place, lui-même. Ouais, mais... Hein? Tiens. 15. Ah ben voilà un bon jeu pour toi. Pour Léa. Non, pour toi. Le mec qui va jouer en secret. C'est combien la journée? Ça c'est 5 euros. Il y a la marque? Oui, oui. J'ai déjà la boîte, juste regarder si c'est dedans. Oh, c'est même pas loin. C'est dans le parking. Vous voyez, ils sont quand ils sont jamais ouverts. Elle est à combien? Lequel? 25. Merci. S'il vous plaît, bonjour. 25. Les amis, donc ça y est, je suis de retour donc de cette matinée donc vide grenier que j'ai pu faire donc avec mon ami Rainer. D'ailleurs, Rainer, un grand merci à toi parce que c'est un peu grâce à toi que voilà que j'ai pu faire ces vides greniers aujourd'hui. Donc voilà, gros big up poto. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'ai pas forcément trouvé grand chose, mais des titres quand même fort sympathiques. Alors il y en a un, je sais pas si je l'ai, mais du coup on va voir ça. Bah, je verrai ça dans ma collection. Et si vraiment je l'ai en double, bah c'est pas grave, c'est un jeu qui partira à l'échange. Donc on va commencer, donc là c'était sur un stand de... c'était un revendeur. Bon. J'ai essayé de négocier, mais il était un petit peu dur en affaires, et du coup j'ai réussi à choper les deux jeux pour 12€. Donc après vous me direz si c'est un bon prix ou pas. Et j'ai pu tout simplement m'avoir le Lego Star Wars, la saga complète, et la trilogie des Indiana Jones. Voilà, donc du coup, les deux jeux Lego pour 12€. Bon, au début, le mec en voulait 15, je crois. J'ai réussi à négocier à 12. Bon, je trouve après que ça va. C'est vrai que ça reste quand même des jeux Lego. Les jeux Lego sont vraiment fort sympathiques. Donc voilà, je trouve 6€ pièce le jeu. Je trouve que ça reste correct. Mais après, vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, ce que vous en pensez. Si effectivement, c'est trop élevé, si j'aurais dû négocier plus. Bon, j'ai essayé de faire mon maximum, voilà, le mec voulait pas baisser plus.
Et voilà, donc du coup j'ai pu négocier les deux pour 12 euros. Ensuite, là franchement très très content de celui-ci, parce que voilà, on sait que cette catégorie de jeux sont vachement cotés, donc c'est un jeu Mario. Et j'ai pu donc me trouver le Super Mario Paper sur Wii. Donc franchement, je suis super content. Et je l'ai eu pour la somme de 5 euros. Donc quand je lui ai demandé le prix, il m'a dit 5 euros, j'étais un petit peu étonné. Et sachant qu'en fait, il y avait un autre vendeur quand j'étais sur son stand, j'ai vu, il proposait le même jeu à 15 euros. Donc franchement, 5 euros celui-ci, je suis super content. Et franchement, il est complet en très bon état. Donc franchement, très très content. Nickel. Ensuite, j'ai rentré un jeu PS1, et pour moi pas des moindres, c'est un jeu que j'ai pu avoir dans ma jeunesse, et franchement je suis très très content parce que j'y ai joué de pas mal d'heures. C'est tout simplement le Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory, donc franchement je suis super content. Et celui-ci j'ai pu l'avoir donc pour la somme de 5 euros. Alors la personne vendait d'autres jeux, mais... Ça m'intéressait pas, il me dit oui, si tu prends tout, je te fais un prix sur le lot. Pff, après les autres jeux, il y avait du Verali, mais Verali j'avais déjà et tout. Et sinon, il vendait 5 euros le jeu de PS1. Mais je trouvais franchement dans le lot qu'il avait, pour moi le Yu-Gi-Oh! Voilà. Franchement, c'est pour moi une petite pépite, voilà, à mon sens. Et du coup, franchement, il est pareil, complet, en très bon état, avec le livret, tout. Donc franchement, super content. Donc voilà, 5 euros le Yu-Gi-Oh! Donc sur PS1, bah c'est royal. Et là du coup, le dernier jeu que j'ai trouvé, alors donc celui-ci par contre je ne l'ai pas trouvé au vide-grenier, mais dans une bourse jouée qui avait à côté en fait. On a été faire un tour, j'ai pas filmé parce que voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose. C'était vraiment très très petit. Cependant, j'ai réussi à trouver un petit collector fort sympathique. D'ailleurs, donc je t'ai envoyé une photo, donc la traqueuse, donc dédicace à toi. Et j'ai pu, voilà, me choper le Mass Effect 3 en édition collector. Alors, on va dire semi-collector, avec, je vais vous montrer, avec le steelbook. Franchement, magnifique. Franchement, il est dans un état, mais irréprochable, quoi. Bon, a priori, il n'y a pas la notice, mais c'est pas grave. Et j'ai ensuite après, alors je vais pas tout vous déballer, mais j'ai un artbook, donc franchement très content. Et j'ai pu avoir donc ce semi-coffret collector pour la somme de 8 euros. Donc voilà, j'ai trouvé ça correct, donc du coup je l'ai pris. Et puis effectivement, bah quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à toi, du coup la traqueuse. Donc voilà, comme je t'ai dit, mais franchement super prix. Et on va finir. J'ai pu me trouver un DVD, donc voilà, pour la somme de 1 euro. Donc, bon, je sais que ça n'a pas forcément intéressé tout le monde, les DVD. Voilà, pour 1 euro, je l'ai pris. Donc, c'est le film Les Gremlins, donc le premier. Et en plus, bah, il est sous blister. Donc, bah écoutez, voilà. C'est vrai qu'en brocante, payer le DVD 1 euro, ça me va. Voilà, c'est... La personne m'aurait dit 2, 3, même voire 5 euros le DVD, voilà, c'est mort. Mais 1 euro le DVD... C'est, voilà, c'est rien, donc puis en plus c'est des sous blister et c'est des Gremlins, donc bah du coup très très content. Donc voilà, c'est tout donc pour les achats. Et là maintenant ça va être une petite séance remerciement. Alors du coup, encore une fois Rainer, je te remercie pour cette matinée et merci à toi parce que voilà, Rainer m'a fait un petit cadeau tout à l'heure. Et du coup en fait il m'a offert Kingdom Hearts, donc en fait c'est les téléversions qui étaient sorties sur PS3 en remasterisé, si je dis pas de bêtises, et ceux qui avaient sur, il me semble, sur PS2. Et du coup, alors, en fait, il l'avait commandé en double, et voilà, du coup, donc il est neuf sous blister. Donc voilà, Rainer me l'a offert, donc bah écoute, merci à toi Rainer, franchement ça fait super plaisir. Donc voilà, un jeu de plus qui rentre donc dans la collection, dans ma collection de PS4, donc merci beaucoup. Et le dernier remerciement, alors pareil, donc du coup Kevoslam, si tu regardes la vidéo, je te l'avais dit que voilà, je te ferai un petit remerciement dans l'une de mes prochaines vidéos. Et ben du coup c'est aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour le jeu que donc tu m'as échangé, donc pour Jade Cocoon 2. Donc voilà, du coup moi je t'avais envoyé un jeu Wii, donc du coup qui t'intéressait. Et du coup toi tu m'avais proposé deux jeux, du coup j'avais pris celui-ci. Et ben écoute voilà, Kevoslam, merci beaucoup à toi, c'est super gentil de ta part. Puis bah écoute, voilà, hein, si t'as d'autres jeux à l'échange, même pour ceux qui veulent faire des échanges, n'hésitez pas à me contacter via donc mon Instagram que je vous mettrai juste en dessous. Donc voilà, Didi New Walker.
Donc n'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert à tout type d'échange de jeux, voilà, si c'est intéressant. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, excusez-moi. Moi sur ce, donc je vous dis à une prochaine vidéo, et allez, ciao ciao tout le monde, c'était Didine Walker, ciao!